Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de la carrière et on arrive à la fin de saison et du coup, cet ultime match de Ligue des Champions face au FC Barcelone, notre grand rival d'aujourd'hui. On verra ce qu'on va pouvoir faire. Je vous fais cet enregistrement en amont. Je vais vous laisser avec la rencontre. Là, je vous ai mis en fond quelques infos qu'il y avait. Mais je vous invite à liker cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts, les gars. Finale de Ligue des Champions. Zéro trophée cette saison pour le moment. Pas de première ligue. Pas de coupe secondaire, on va dire, telle que la Carabao Cup ou l'EFL Cup. Il nous reste que ça. On est obligé de le gagner. On ne peut pas partir sans rien. Ça me ferait deux saisons sans trophée. Voici les compos probables. Normalement, ce sera ça. Vous savez quoi, on va se les découvrir en match. J'ai pas regardé. Bon, vous avez eu un peu le temps, mais j'ai pas tout vu moi. Là, on va voir la présentation complète. En tout cas, Rafinha est de la partie. Très bien modélisé d'ailleurs. Faut le dire quand c'est vrai. Sterling est là également. Duel d'ailier. On a Koukouré là derrière avec sa grosse touffe. Il a l'air un peu moins prêt. J'espère qu'il va pas nous faire des dingueries là, les gars. Faut pas se planter. Ter Stegen mis à l'honneur. Je ne savais pas qu'il était aussi blanc que, aussi blond pardon, que Ryan Gosling. Mais en tout cas, on va bien voir. Je vais tout laisser, les gars. Et du coup, ouais, c'est dans un stade à part. C'est ni à Chelsea, ni au Barça. Logique. On joue avec notre maillot extérieur. Ok. Ça, c'est quoi les objectifs? Éviter la défaite. Ben, c'est ce que je comptais faire, hein. Rafinha, Pedri, Kessié, Koundé. Il y a du beau monde. Ça met du temps à démarrer. Ok, là voici cette belle musique. Ce beau stade. J'ai pas vu où on jouait d'ailleurs. En tout cas, il y a des talents. Pedri, il a les sourcils aussi gros que je sais pas quoi, mais c'est abusé. Ferran Torres. On peut se foutre de sa gueule qu'il soit titulaire, mais les gars, en vrai, c'était le second meilleur buteur de la compétition. Là voici la compo. Ter Stegen, ok, ouais. Borja, Ansu Fati. Ça donne ça sur le terrain. Ils ont pris Ruben Neves, Laporte. Balde à gauche. Ok, ça ressemble à peu près à celle dans la vraie vie, on va dire. Qu'est-ce qui est resté? Ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie, ça par contre. Les voici. Cette équipe, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Ils ont battu de grosses équipes telles que le Bayern. Et à nous. La petite photo d'équipe, on a l'air un petit peu plus stressé et tendu. Nous, on n'a pas prouvé grand-chose, même si dans des grands matchs, on a été bon. C'est pas assez, malheureusement, pour remporter des trophées. Est-ce que ce sera assez pour celui-ci? C'est ce qu'on va voir. Havertz sur le banc, ça c'est dommage. Ok, Berardi, Sterling, Guimaraes, Kanté, Fernandes, Getruida, Cucurella, donc pas de Thiago Silva. Ça va être dur les gars, je vais tout donner, je vais essayer de vous montrer un maximum du match, je pense. Bon, pas le match en entier, hein, parce que franchement, il y a des actions, c'est inutile. Mais en tout cas, un moment de plaisir et de partage, c'est ce qu'on veut, mais surtout, une coupe, on va tout donner les gars, finale de Ligue des Champions. C'est parti, installez-vous. Et attention à Ferran Torres là. La première frappe, elle est cadrée, c'est dedans, mais personne ne l'attaque, c'est pas possible. Ah non, comme on l'a laissé faire là, c'est fou. C'est fou, logique, on peut pas laisser faire ça. Ah, on va revoir ça parce que là, c'est catastrophique comment on a défendu au vu de la saison. On se demande comment les défenseurs sont parmi les meilleurs de Première Ligue. Il est tout seul, il tend juste la jambe au lieu de foncer dessus. Et en plus, il attend mal, c'est ça le pire. Ah là là, ça part d'entrée les gars, va direct falloir se mettre dans le bain parce que ils y sont. Et les gars, allez, allez, concentrés. Ça combine encore. Oh là là, ce qu'on prend, mais Mendy, cette fois-ci, il est dessus. Défendre, c'est centré au second poteau, il est seul. Oh là là, Mendy, franchement, on fait rien pour. On fait rien pour, ça va frapper encore. Oh là 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 là, Mendy. Pas bon, bon, encore la combinaison. Encore la combinaison. Lewandowski l'extérieur. Arrêté par Mendy. 33e minute, les gars. On n'a toujours pas touché les gants de leur gardien. Contrairement à nous. À eux plutôt. Pardon. Pas du tout, nous. Attention encore. La combi. Ça la met à l'extérieur.
Allez, dessus, dessus. Ah, c'est but. Oh là 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 là. Allez, bien joué cette passe. Allez, peut-être le duel. Peut-être le duel. Je suis face à Christensen. Je suis passé. Je suis passé. Poteau, ça me revient dessus, oui! On marque. 41e minute. C'est notre jeu. Rien fait, remarquer quand même. Putain, j'ai pas compris le poteau. Elle est revenue si doucement sur moi. On va revoir. Christensen d'abord au physique. J'étais obligé de tirer du droit. Heureusement que j'ai 4 étoiles. Et là, quelle chance, les gars. Mais c'est une moule, pas possible. Elle me revient pile sur le pied droit. C'est pas le bon pied, mais c'était immanquable, heureusement pour moi. Il y a de quoi être dégoûté pour Ter Stegen et Christensen, parce que là, ce qui m'arrive là, c'est fou. Record de la compétition égalé avec 17 buts. Ok, ça, j'étais pas au courant. Pour l'instant, notre seul palmarès, c'est d'avoir égalé les records, mais faut avoir des coupes surtout. On s'en sort. Putain, il y avait une attaque pour une fois pour nous. En tout cas, les deux meilleurs buteurs de la compétition, Ferran Torres et moi-même, en concurrence, on a marqué tous les deux, mais c'est pas les mêmes stats. On va les découvrir, les gars. Ça risque de faire très très peur. On va voir ça. Pouah, 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 9 tirs à 2. Je me rappelle même pas de notre premier tir. Ah ben, c'est moi, en fait, sur le poteau. Je suis bête. Sur le poteau, et après, elle me revient dessus. Et cette fois-ci, je la marque. Et heureusement, 9 tirs, putain. Je pensais plus, par contre, pour leur possession. J'imaginais bien 70. On s'en sort pas mal. C'est ça le pire. On va reprendre, les gars. Il reste 45 minutes. Les dernières de cette saison. À nous d'en faire bon augure. Bien. Allez. Allez, face à Koundé. Le deuxième duel de la vidéo pour moi. Faut le mettre. Faut le mettre. Je mets du temps. Je mets du temps. Mais c'est dedans. C'est le plus important. On va aller voir les supporters, je sais pas si on peut y aller, bien sûr qu'on peut. Le Pichichi, record battu, et pour l'instant Barça battu. Magnifique, franchement les gars, on a eu deux contres, deux fois c'était moi, deux fois je les ai pris de vitesse, et deux fois je marque, cette fois-ci en finesse. J'ai joué avec le feu parce que j'ai attendu qu'il sorte pour la mettre à la terre, parce que je savais que si ça faisait ça, c'était but. Et j'ai bien fait, putain. Ça fait peur pas. Oh, dommage le ralenti, ça avait l'air d'être beau. En tout cas, on est devant. Ça va être dur, mais c'est possible. Attention, avec cette attaque à 10 minutes de la fin qui est passée, le duel. Oh, on encaisse. On encaisse. C'est dur, mais c'est tellement logique, les gars. On ne fait pas de passe, ils en font au moins 30 par action. Kessié qui finit. Ok, il a eu un petit contre. Enfin, et encore, même pas, il se termine très bien. Mendy, cette fois-ci, qui est très mal placé, par contre. Et on encaisse dans la logique des choses. Il reste 8 minutes. Cucurella qui sort. C'est dur, les gars. Allez, dans l'axe. Allez, le troisième duel. Le troisième duel. Est-ce que je vais le finir? Est-ce que je vais le finir? Non, cette fois-ci, ça a arrêté. J'aurais pas de chance là-dessus. Ça me semble logique, hein, sinon ça aurait été fou. De tous les mettre. Borja Iglesias qui rentre à la place de Robert Lewandowski. Ultra offensif, putain. Mais il est fou, l'entraîneur. Très mal tiré. Mais c'est pas fini. Bien joué. Encore. Oh là là. Qu'est-ce que c'est mal joué, les gars. Oh, c'est catastrophique. Regardez, il laisse passer. Non. Je vais essayer de me battre, mais oh non. Oh non. Oh là 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 là. Quelle chance, le poteau. Qui vient nous sauver. Et nous emmener peut-être en prolongation. Allez. Attention. Oh, il est seul. Oh là là là, c'est contré. Je l'ai. Je la dégage devant. Oh là 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 là. C'est. Je comprends même pas comment on est encore en course, les gars. 2-2. Ils ont marqué, les gars, comme je l'ai dit, dans la logique des choses. Ils ont égalisé. C'est tellement mérité pour eux. Nous, de toute façon, on est le FC Braquage. On sait où on y arrive. Par un contre ou un tir chanceux, ou alors c'est mort. On a eu trois actions, vous imaginez trois actions en finale de Ligue des Champions. Je pense que c'est pas possible. Et encore, j'en mets deux. C'est ça qui est fou. Quand ça a quatre tirs, je vois pas où il est le quatrième tir, mais bon, bref. 15 tirs pour eux, 56% de possession. Sur la possession, on va dire qu'on est pas mal face au Barça, mais niveau tir. C'est fou. Et là, l'énergie, elle va manquer. C'est ça le problème aussi. Encore un changement. Baldé qui sort
pour Trincao, je ne sais pas qui c'est, et Lukaku qui rentre en attaque à la place de Bruno Guimarães. Attends, on va jouer à un milieu là? Et voilà, c'est le coup d'envoi de cette Oula! première prolongation. Ça fait peur, hein. Bon après, on n'attaque pas, donc logique de faire entrer un attaquant, mais va falloir faire attention quoi. Putain, il aurait pu me la tenter là-dessus. Lukaku, j'y suis pas hors Ça, jeu, c'est dommage. j'y suis pas. La feinte. Ah Très bonne putain. intervention dans la surface. Je voulais après la décaler, mais bon. Ah, le contre est possible. Oh, ça Il repart repart sur direct, Lukaku. il est pas hors jeu. Oh, il est pas hors jeu. Oh, il est pas hors jeu. Oh là 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 là. Borja Iglesias qui finit 3 buts à 2. Et maintenant que c'est eux qui ont pris l'avantage, ça risque d'être super dur, voire impossible de revenir au score. C'est fou les gars. Putain. Quelle passe, mais quelle passe de Pedri. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est même pas en faire de passe à 1 mètre et là il est à 50 mètres, il lui fait une passe parfaite. Mendy qui se jette comme un dingue, c'est dommage. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Je sais pas, j'en suis pas sûr, on va tout donner pour, mais avec l'énergie que j'ai les gars, ça va être dur. Hein. Et encore une occasion pour le Barça, oh, on se fait manger. On se fait manger en plein milieu et on la prend, mais c'est fou. C'est chiant les gars, c'est toujours la même chose en fait. Tu vas croire que tu vas gagner une coupe. Tu finis la saison zéro trophée alors que t'as 50 buts. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Allez, on décale pour Sterling. Allez, j'y suis. Allez. Non, poteau, putain. J'avais pas fait exprès de tirer, pourquoi Le pas? dernier mot placé sur Putain. ce ballon bien revenu. Les chiffres de la possession Oh, on va le sont au reprendre. Hein. Barça et c'est grâce à Mais une superbe regardez-moi cette intervention défense. de Mais les gars, mais Mendy qu'est-ce qu'il a fait le qui sort coach? assez chaud dans la surface. Mais qu'est-ce qu'il a fait le coach? Mais quelle logique, hein. Logique. Il y a attaque pour rebut en fait, c'est ça. Même pas contre-attaque, hein. C'est une attaque normale, mais il n'y a personne donc. La contre-attaque sur le football Mais devient c'est fou. plus regardée. On a l'impression que C'est le ballon fou. plonge tellement ça va vite. C'est fou. En fait, je manque le tir, c'est terminé, voilà. Mais il vient de conclure un bon mouvement. Et le récital en attaque se poursuit. Ce nouveau but en est la preuve. La défense est vraiment en très bonne Pas position. encore. Ah, mais les gars, c'est nul, hein. C'est trop mal fait. Style, maintenant, on en prend 25. Vas-y. Fin de la première mi-temps, 6-2, alors qu'il y avait 2-2. Trop réaliste. Oh là là. Bien joué. Je la frappe. Allez, 6-3, mais bon, c'est terminé. On va passer direct. Terminé, les gars. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal de s'arrêter ici. J'aurais vraiment préféré sortir en 8e. Plutôt que de prendre la foudre en finale, ça montre notre niveau tout au long de la saison, ça confirme hein, tout ce qu'on a vu, les lacunes, triplé, et pourtant on perd, j'ai l'impression d'avoir vu ça toute la saison, comme je disais, c'est fou. C'est mérité, hein, ça y a pas à dire, mais bon. Deuxième saison, toujours pas de trophée pour moi. C'est fou. Et on va quand même les voir soulever le trophée juste avant de se quitter. Hop. C'est dingue. Putain. Ça aurait fait du bien vraiment de la remporter. Je serais parti pas en héros, mais en tout cas en acteur majeur de ce club, tout simplement. Mais là, on se fait prendre le trophée par le Barça et Ruben Neves. C'est fou. Allez, on va passer. Bien joué au Barça, qui a été au-dessus, ça y a pas à dire, mais enfin je sais pas, c'est bizarre, on en prend deux, au final, en prolongation, on en prend quatre en une mi-temps de 15 minutes. Donc ça c'est fou. Et ouais, ça fait péter un câble, on va pas se mentir. Je vais changer de club, ça c'est sûr les gars, pour ma troisième et dernière saison, comme je l'ai dit.
Le reste serait de rejoindre le Barça, mais pourquoi pas une top team, genre le Bayern ou autre, on va voir. En tout cas, je pense partir de l'Angleterre, à moins d'aller peut-être à City, mais bon, c'est nul, hein, si c'est pour prendre la place d'Haaland, c'est pas très réaliste. En tout cas, il a voulu mettre sur la liste des transferts, ben, il n'y a pas de problème, on va y aller. On va juste voir en Ligue des Champions les meilleurs buteurs. Où est-ce que c'est? C'est une bonne question. Hop, Europa League. Et nous voici, on a quand même fini meilleur buteur avec 19 buts en 13 matchs. On a battu le record qui était de 17 buts en termes de plus de buts marqués en une saison de Ligue des Champions. Et du coup, ma carrière. Non, c'est pas là qu'on demande. Accueil équipe. Au moins, c'est fait, je vais le demander. Je suis joueur de rotation, c'est fou. Comment ça retraite? Comment ça retraite? Je peux pas demander de transfert. C'est des prêts, non, que j'ai depuis tout à l'heure, je crois. Enfin, depuis tout à l'heure, depuis. Je sais pas combien de temps. En tout cas, les gars, on finit la saison sur une note négative et ça fait chier. Désolé de vous proposer des défaites ou alors des championnats qui se jouent à rien, on perd. On va accéder à la fin de saison et découvrir si on peut se trouver un petit club, pourquoi pas. Et nous voici les gars, après ce long chargement, là c'est la coupe où on a invité, mais nous, on l'a dit, on va partir du club où on a été si maltraité. Ils ont voulu me prêter tout le long alors que j'ai été meilleur buteur de toutes les compétitions et j'ai tout donné, mais bon, pas grave les gars, on va leur rendre l'appareil en quittant le club comme ils ont voulu qu'on le fasse. Et pour ça, on va aller là. Normalement, là, c'est bon. Je peux demander, je pense. Mais pourquoi je peux pas demander? Je suis sur la liste des prêts, en fait. Mais c'est chiant. Je veux pas partir en prêt, moi. Comment on demande de partir en transfert plutôt? Ok, les gars, je peux seulement aller en prêt. Putain, c'est chiant. Ok les gars, je crois que j'ai regardé sur internet parce que c'est bizarre que je puisse pas m'enlever de cette liste de prêts. Mais en fait, vu que c'est le club qui m'a mis, je peux pas me retirer. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, enfin il y en a deux. La première, c'est de recommencer la carrière, c'est ce qu'on veut pas du tout. La seconde, c'est de jouer du coup dans le club dans lequel on est prêté ou de simuler la saison et après on pourra, lors de notre retour au club, demander un transfert. Je sais pas quelle option on va choisir. On va attendre jusqu'à la fin. À tout moment, on a un gros club qui demande, mais ça m'étonnerait. C'est bizarre parce qu'en tant que meilleur buteur comme ça, normalement, il faudra avoir de meilleures équipes. Mais là, regardez-moi ça. On va pas jouer une saison FC Twente. Quand même, on se respecte. C'est dommage, hein. De toute façon, on va simuler déjà les matchs amicaux. On va aller jusqu'au 31 août. Et on va voir comment on va procéder, mais si on a un club pourri, je pense qu'on simulera la saison et on prendra le risque d'avoir de bien moins bons clubs, ça c'est sûr. Hein, qui est l'Udinese qui me demande. On va attendre. Ouais, non, c'est mort, on n'aura rien d'autre, je pense. On va pas prendre de risque à aller à l'Udinese en espérant que c'est encore dispo. Où est-ce que c'est, notification? Bon, on va là-bas, mais on va simuler la saison, les gars. Je vais juste sauvegarder, je pense, d'abord. Bon, on va la passer, l'entrée, on s'en fout. Franchement, je compte pas rester longtemps. Comment faire? Est-ce que déjà, je peux demander là de partir? Ça, j'aimerais bien savoir, mais ça m'étonnerait très fortement. Demande de prêt, mais comment ça? Mais il y a un problème, non? On n'est pas prêt. On est prêté, non? Comment ça? Je comprends pas. Écoutez, on va simuler jusqu'en décembre, du coup. Votre avenir. Je t'ai placé sur la liste des transferts. Yes! Voilà, merci frérot, tu gères. Ok, on a une offre, les gars. L'Inter qui est venu sur nous. Franchement, l'Italie, on l'a fait, c'est ça qui est gof. Ouais, Leverkusen.
Est-ce que je prends le risque de dire non? Ouais, vas-y, je prends le risque. Ok, offre de transfert, les gars. Oh là là. On arrive au temps. Les heures décisives commencent. Je vais peut-être essayer de sauvegarder ici, les gars. On sait jamais, au cas où on est pas de club. Hop. Voilà, écrasé. Allez, ça part de là. Mon nouveau club, pitché. Une belle offre. Ok. Les Wolves, putain. Pas de première ligue, pitié, pitié, j'en peux plus de Chelsea et tous les autres. Fulham, oh là là, mais on va tous les faire ou quoi? C'est fou. Le reste, non. Bon, ben, on n'aura rien. On va quitter, les gars, sans sauvegarder, bien sûr. Et recommencer. Bon, ben, les gars, après plus d'une demi-heure de recherche, j'ai trouvé aucun club qui me correspondait, c'est-à-dire aucun club espagnol surtout. Ce que je recherchais en priorité, ou alors un bon club de Bundes. Donc, j'ai décidé de simuler jusqu'à la fin de la saison et voir ce que ça donnait. C'est ma dernière chance parce que vraiment c'est lourd. On se retrouvera dans le club dans lequel on se retrouvera, mais je veux juste un club qui me correspond en fait parce que là ça devient vraiment très chiant. Donc, on va partir. Roma. Ouh, le Real Betis. Moi, je préfère les Leverkusen quand même. Villarreal, les gars. Là, c'est plus intéressant, par contre. Villarreal. Est-ce qu'ils jouent une compétition européenne? Ils sont où? Ah, 15e. Putain. Ok, soit en Europa League, les gars, Villarreal. Bah, écoutez, je pense que si on n'a aucune autre offre, on va aller à Villarreal, donc on va refaire pareil. Le bug, c'est pas un bug. Sauvegarder. Bon, ben les gars, regardez le temps. Il reste 1 heure. J'ai eu aucune offre, mais par contre, j'ai toujours celle de Villarreal en cours de validation. Ben, on va pas plus hésiter que ça. On va y aller. De toute façon, comme j'ai dit, à part les Leverkusen, mais du coup, les Leverkusen, ils sont même pas en compétition européenne, donc ce sera nul comme dernière saison. On avait par contre une équipe que on a refusée qui finalement y était en compétition européenne, c'est Wolfsburg. Mais bon, c'est pas grave, on va aller à Villarreal, on accepte l'offre, au moins on a un club, ça c'est bien. Normalement ça devrait aller, chef. Enfin j'espère, hein, quoi qu'après un an, espérons ne pas avoir perdu trop de muscles. En tout cas, le nouveau maillot, il est là. La petite photo avec le coach, on regarde tout sauf la caméra, mais bon, c'est pas grave. Enfin, on a notre club, les gars. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Ça a été long à en trouver un, j'en peux plus. On se retrouvera dans le 26e épisode pour notre dernière, ultime saison avec Villarreal. On va essayer de les emmener le plus loin possible et également de remporter l'Europa League. C'est l'objectif. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine.